Si tu t'abonnes, ça fait quoi, man? Ça fait quoi? Pardon, abonne-toi et active la cloche de notification, s'il te plaît. Yo, la famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui sur votre humble serviteur Irritor. Comment se passe votre dimanche? En tout cas, je vous souhaite de passer un très 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 bon dimanche. Aujourd'hui, c'est une vidéo très imminente parce que je vais vous demander vraiment de la partager avec tous les fans des deux Bordeaux que vous pouvez connaître. Voilà, parce que c'est une vidéo qui pourra nous aider. Je n'ai pas la science infuse, mais je viens apporter mon grain de sel à la participation. On va dire, quelle participation? Je viens participer au succès phénoménal du prochain single de mon artiste Bordeaux Licofa. Voilà, votre faux fan que je suis. Merci. Voilà, donc cette vidéo-là, c'est pour tous les fans de Bordeaux Licofa. Que tu sois au Cameroun, que tu sois au Bénin, que tu sois au Ghana, que tu sois en Côte d'Ivoire, que tu sois dans la diaspora, franchement, ma chaîne a la chance d'être suivie par les 5 grands continents. Franchement, voilà, c'est pas le malin, mais c'est une réalité. Je peux faire même un screenshot pour vous mettre ça en truc, pour vous publier ça sur mon YouTube pour voir effectivement que je suis suivi dans beaucoup, 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 beaucoup de pays et ça, c'est Dieu qui fait grâce. Donc, comme je disais, en début de ma vidéo, cette vidéo-là, c'est pour tous les fans de Bordeaux. C'est une petite stratégie simple pour exposer le compteur de vues de notre artiste de Bordeaux, Licofa, qui fera encore un nouveau record. Là, je peux vous le confirmer. Voilà, et ce sera grâce à nous, ces fans. Ok, mais bien avant de vous dévoiler la stratégie, je vais revenir encore et me prononcer sur mon artiste, lui donner quelques dispositions à prendre. Voilà. Bordeaux Licofa, le maître, champion d'Afrique. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien, parce que si Agaza Gaza est là, c'est que tu vas super bien. Voilà. Dieu merci, c'est le 1er novembre que tu nous sors la Gaza Gaza. Franchement, moi, 01, ça n'a pas à être l'heure que j'allais désirer, mais bon, c'est toi le boss, c'est toi on suit. 01, on va veiller, on va attendre 01. Voilà. Ok. Donc, comme je disais, voilà ce que tu dois faire. Quand tu vas mettre Agaza Gaza en ligne, c'est sûr, on va exposer les comptes de vues. Mais s'il te plaît, comme je l'ai dit dans une de mes vidéos récentes, je crois dans cette semaine-là ou la semaine dernière, je t'en supplie, toutes nos vidéos de démo qu'on va t'envoyer là, abstiens-toi de les publier sur ta chaîne YouTube. Voilà. Tu as un compte Facebook. Tu as un compte Facebook personnel et tu as une page Facebook. Publie-les là-bas. Voilà. Ça fait d'abord un plus pro et puis ça donne le temps à, on va dire, au son de vraiment être vraiment écouté par toutes les personnes qui attendent le son. Voilà, ça va aider aussi à exposer réellement les vues. Parce que si tu mets Agazagaza à minuit, qu'à 14h tu commences à enchaîner avec des vidéos de, on va dire, de démo, c'est sûr que tu vas freiner nettement les vues de ton son. Voilà, donc je te demande pardon, fais ce qu'il faut là, concentre-toi sur Facebook avec les démos et consorts. Et laisse à Gaza Gaza jusqu'à ce que le clip arrive. Si peut-être après une semaine, tu peux te permettre maintenant de ramener les démos sur ton compte YouTube. C'est ce qui est normal. Si c'était moi seul, ça tenait qu'à moi seul, tu ne mettais même pas ce genre d'histoire-là sur ta chaîne YouTube. Parce que c'est écrit musique. Est-ce que tu comprends un peu? Voilà. Donc s'il te plaît, je te demande pardon. Quand la Gaza Gaza sera en ligne, ne viens pas mettre autre chose sur ta chaîne YouTube. Laisse Agazagaza s'exprimer sur ta chaîne YouTube. Donc, famille, dites plus en commentaire chaque fois qu'il sera en direct ou qu'il fera un post qu'on veut Agazagaza seulement sur son compte YouTube pendant une certaine période bien déterminée. Voilà, excusez-moi, j'ai mon petit frère qui faisait des bruits là. Donc, vous voyez un peu, c'est un peu ça ce que je voulais dire à mon artiste. Qu'il ne s'embête pas, on va faire son travail au calme. Donc là, j'allaite tous les fans des quatre coins du monde. Ah, c'était mis prêt, c'est ce 1er novembre là, 0-1, 0-1, 1er novembre. C'est-à-dire, quand le 31 octobre passe net, 0-1, 1er novembre, boulet, on est en tas sur les réseaux sociaux. Maintenant, je vous dis, voilà, la stratégie simple. Vous voyez, on s'est dit ce qu'on fait de Bordeaux, hein, mais les gens peinent à partager les publications de notre artiste de Bordeaux, le Kufa. Ce que j'arrive pas à concevoir, ce que j'arrive pas à comprendre. Et moi, ça me dérange. Voilà. Faut reconnaître que c'est vraiment exaspérant. Hein. Voilà. L'artiste, souvent, c'est fâché. Je comprends aussi. Parce que nous, c'est souvent des comptes trop. C'est ton artiste, il a publié quelque chose, ça te plaît. Tu likes, tu partages. Quand tu partages une de ses publications, c'est comme si tu faisais sa promotion. Tu parlais de Bordeaux Licofa, en fait. Et si tu comprends un peu. C'est comme ça les choses qui marchent. Donc, quand Gaza Gaza sera en ligne, écoutez-moi bien, les amis. Quand Gaza Gaza sera en ligne, je vous demande pardon.
abstenez-vous de partager la vidéo avant une heure du temps. Si tu peux tenir, t'asseoir, c'est-à-dire t'asseoir comme ça, hein, tu écoutes à Gaza Gaza à minuit. Tu reviens à une heure, juste pour voir en une heure du temps quel a été l'impact à Gaza Gaza. C'est de là sortira les 500 000 vues. Si tu partages, si je partage, si tout le monde partage. Donc après une heure, bam, on commence à partager. Mais on va partager comment? Je vous explique. On a tous Facebook, on a tous Instagram, on a tous Twitter, on a tous, on va dire quoi encore, WhatsApp. Donc quand tu partages là, quand tu partages, tu prends d'abord, tu prends WhatsApp. Tu as tous tes contacts. Si, ça, si tu te gênes, envoie ça à tes tontons, il n'y a pas de problème. Mais tous tes contacts WhatsApp, c'est vai. Quand tu as fini ça, tu prends Facebook. Toute ta liste de contacts Facebook, là, c'est tout ton messenger là, c'est vai. On va faire ça bien en sombrelele, on va faire ça d'une manière. Voilà, on ne doit pas jouer. Parce qu'après un an, franchement, on doit montrer aux gens que Debordou, même s'il ne chante pas, il est champion d'Afrique. Tu laisses Messenger, tu prends même Facebook là encore. Tu partages ça sur ton compte Facebook. Tu partages ça dans tous les groupes Facebook dans lesquels tu te trouves. Ça, c'est le travail d'une seule personne. Ça, c'est le travail d'un seul fan de Debordou. Donc, imaginez les millions de fans de Debordou qui sont à travers le monde. Si chacun, si disant aimer l'artiste, a le courage de faire ça, on est capable de dépasser le million de vues en un jour. C'est pas la sorcellerie, c'est pas de la magie. Je continue. Quand ça finit Facebook, Messenger et consorts, écoutez-moi, mais donc c'est celui à revoir et à réécouter. Tu prends encore Twitter, tu partages le lien sur Twitter. Instagram, tu partages le lien sur Instagram. Tranquille. Tranquille. Et puisque, écoutez-moi bien, et puisque on a fait 1 million de vues, je crois 3 ou 1 million de vues en 3 jours, le deuxième jour, c'est-à-dire le 2 novembre, tu viens répéter encore la même chose, ce que je viens de dire là. Tu partages à tout ton contact WhatsApp, à tous tes contacts WhatsApp, à tous tes groupes WhatsApp, tu partages à tout ton show, ta liste de contacts Messenger, à tous tes groupes Facebook, à sur ton compte Facebook, si tu as des pages que tu as administrées, tu partages partout. Parce que moi, vous parlez que je suis faux fan là. J'ai 8 pages Facebook, voilà. Et je les ai créées simplement dans le but d'aider mon artiste. Voilà. J'ai une page qui s'appelle Rire et s'informer. J'ai une page qui s'appelle The Line Space. J'ai une page qui s'appelle Héritage de Search TV. J'ai une page qui s'appelle ORL Conseil. J'ai une page qui s'appelle Baby Dream, c'est la page de mon groupe musical Baby Dream. J'ai une page qui s'appelle plein de pages, j'ai oublié. Il y a 2 autres que j'ai oublié. J'ai 7 pages que j'administre. Donc ça sera de la magie. Quand je vous dis ça sera de la magie là, c'est possible. Ça dépend de nous. Je suis fan de Bordeaux. Faut partager cette vidéo là avec tes contacts et tes amis pour les dire. Et puis, jouons la carte de l'humilité. N'ayons pas honte de demander pardon à nos amis qui sont même pas fans de Bordeaux d'aller écouter le son de Bordeaux pour donner leur avis. Donc quand tu partages, faut accompagner ça d'un message. Famille, que tu sois fan de Bordeaux ou pas, s'il te plaît, va écouter le son de mon artiste et donne-moi un retour. Parce que je pense que le son, il est malade. C'est comme ça qu'on fait. L'humilité gagne toujours. Tout le monde va vouloir écouter le son de Bordeaux. Puis on explose les compteurs, on a fait encore un record. Les gens parlent trop. Moi, j'ai dit aujourd'hui, c'est vrai que certains artistes sont très bien suivis sur YouTube et tout ça. Debordou, il a commencé YouTube il n'y a pas longtemps, ça fait un. Il a commencé Facebook il n'y a pas longtemps. Donc, c'est un artiste que je respecte beaucoup parce qu'il a beaucoup d'impact. Même avec, il n'a pas commencé vite. S'il avait vite commencé, franchement, il serait parmi au moins les 2 premiers, sinon le premier. Voilà. Il a fait 1 million de vues avec Pic, mais il avait 10 600 et quelques abonnés. Je ne sais pas où il a 122 000 vues, là, pourquoi faire 3 millions de vues, 1 million de vues en un jour, c'est trop facile, je dirais. Donc famille, c'était votre vidéo, c'était votre cadeau. La stratégie, elle est simple. On joue la carte de l'humilité. Quand on partage truc, le lien de sa vidéo, on accompagne ça d'un message. Famille, que tu sois fan de Bordeaux ou pas, de Bordeaux va faire sortir un dernier son, s'il te plaît, va écouter et puis demande ton avis parce que le son est manchant. Voilà. Donc c'est ça la petite stratégie dont je voulais vous parler. Si tu es fan de Bordeaux, faut même pas réfléchir. Quand le son sort, tu attends une heure plus tard, c'est-à-dire le son sort à 0h, à 1h, tu commences à faire ce que je t'ai dit là. Tu vas comprendre. Tu vas comprendre.
Facebook va trembler, les réseaux sociaux vont trembler ce jour-là. Le 1er novembre, c'est une date à retenir. Vous n'allez pas croire. Vous allez dire qu'il y a un faux fan de Bordeaux, le faux fan qui s'appelle Eritor, qui nous a dit, qui nous avait prévenu. Que Dieu vous bénisse. Très bon dimanche à tous et à toutes. On est ensemble.